j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, donc c'est Hasna avec vous et on se retrouve comme tous les mois, comme tous les premiers vendredis du mois, avec Asma Fares pour la poster. Donc on va faire un challenge, pas n'importe lequel. On est toutes les deux mamans, on n'a pas beaucoup de temps et je pense qu'on a beaucoup de mamans qui nous suivent. Donc on s'est dit pourquoi ne pas filmer un tuto make-up, mais ça sera plutôt un challenge dans le sens où on a seulement 3 minutes. Non, pas 5 minutes mais 3 minutes. Donc j'ai devant moi ce qu'il me faut pour me préparer. Donc j'ai le chronomètre qui est juste ici. Et on va commencer sans plus tarder. Donc je vais vous mettre le lien du challenge à Asma. Et on y va, c'est parti. 1, 2, 3, go. C'est parti. Allez, donc je vais d'abord brumer mon visage. Hop hop hop. Ah, je préfère aller un peu plus rapidement que... Donc hop hop hop. Ici donc j'utilise un fond de teint anti-cerne. Comme ça du coup j'ai pas à mettre mon anti-cerne. J'ai l'impression de faire n'importe quoi. Là attends, on va se calmer, ça va aller. Hop hop hop. Ici, voilà. Oh, je m'imagine que c'est le matin quand je suis hyper stressée et que... Et que je dois y aller. Oh punaise. Dans tous les cas, on va s'arrêter là où on est. Hein. Oh là là. Oh, j'ai l'impression de faire n'importe quoi. On aurait dû faire 5 minutes à ce moment. Qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on a fait? Heureusement encore qu'il y a le miroir là. S'il n'y avait pas le miroir. Bon, ça donne ça. Oh my god, 2 minutes 16. Purée, 1 minute juste pour appliquer du fond de teint. Ok, c'est bon. Ah, qu'est-ce que je dois mettre après? Ça. Ma poudre. Celle de chez MAC. On poudre tout. Vite fait. Bien fait. Mon bronzer. Pour donner un peu de... Faut quand même que ça ressemble, au moins que j'ai bonne mine quoi à la fin, que ça ne ressemble pas à rien. Voilà, ok. Oh, l'anti-cerne, non, je dis n'importe quoi. Du coup, je vous dis pas les produits, hein. Hop, blush, blush, blush. Mince, il est parti le chronomètre. Non, il est là. Il est là. Wow, 1 minute 41. Ok, 1 minute, j'ai 1 minute. 1 minute 30. 1 minute 40. 1 minute 40, 1 minute 30. Hop, ok, ça c'est fait. Ah, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Hop, ça. Un petit coup de mascara et après les sourcils parce que les sourcils ça prend un petit peu plus de temps. Ok. Oh là là, je l'ai mis n'importe comment. Oh. Ok. Ah. Oh, rouge à lèvres, rouge à lèvres, rouge à lèvres. Mince, rouge à lèvres, rouge à lèvres. Ok, rouge à lèvres. Oh, il me reste 1 minute. Ah, c'est quoi cette couleur que j'ai choisie? Peut-être pas la meilleure des couleurs, mais c'est pas grave. Je vais mixer ces deux couleurs. Mm-hmm. 47 secondes! 47 secondes, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mes sourcils. Ah! 40 secondes, 40 secondes. Allez, go, 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 go. Tac. Ah, 37 secondes. Ça va, on y est. Purée, 3 minutes, c'est hyper rapide, 30 secondes, j'ai. Ouh, ça va, déstress, c'est bon, t'as terminé. Hop, voilà, c'est bon, j'ai 23 secondes. Bon, je voulais faire un petit trait d'eyeliner, mais c'est pas grave, hein. Voilà, écoutez. Ben voilà, j'ai même 15 secondes, c'est bien ça. C'est pas super. J'ai 9 secondes, qu'est-ce que je voulais faire? 5, 6, 5, 4, 3, 2. 5 secondes, hop. Et voilà, terminé. Terminé. Yes, yes, yes. Yes. Ça va, hein? Non, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je trouve que c'est pas mal. Voilà, on est un petit peu, écoutez, un petit peu camouflé, les misères. C'est pas super travaillé, mais c'est plutôt pas mal. Vous me laisserez ça en commentaire. À ce moment, on va voir de ton côté ce que ça a donné. Est-ce que tu as eu le temps de terminer ou pas? Donc je vais aller voir ça. Mais j'ai eu le temps, on va dire, de terminer. J'avais juste mis ça de côté, un eyeliner. Je pensais quand même que j'allais être plus rapide, hein, franchement. Parce que des fois, mais là, c'est le stress. Oui, j'ai tout balancé, hein, mon make-up, il est tout devant comme ça. En tout cas, pour les mamans. Ou vraiment, si vous êtes hyper stressé, je pense quand même qu'il y a moyen de faire un petit make-up hyper rapide, hyper simple. Le truc que je vous conseille en tout cas, c'est de mettre dans une petite boîte ou dans un petit rangement vraiment les produits que vous utilisez au quotidien. Parce que vous voyez, moi derrière ici, franchement, je mets 10 ans à choisir. Vous voyez?
Hop, donc du coup, pour gagner du temps et pour ne pas avoir à réfléchir à ce que je veux mettre, etc. Et j'ai toujours ma bébé crème, ma poudre, un petit rouge à lèvres passe-partout, vraiment les trucs que j'ai besoin qui sont à portée de main, comme ça, voilà, quand je dois me préparer, tac, 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 c'est fait en 5-7. Donc voilà pour cette postée du mois de février. Non, on n'est pas le mois de février, on est le mois de mars déjà, my god, le mois de mars. Et là, je me dis, mais attendez, le mois de février, on vous a posté quoi? On vous a posté la postée sur la rupture amoureuse. Mais c'était pas le mois des amoureux, le mois de février, on va dire, la Saint-Valentin, personnellement que je ne fête pas. On vous a posté ce sujet-là, mais bon, c'était pas fait exprès. Donc on se retrouve au mois d'avril pour une nouvelle postée. Donc pour le coup, on va donc piocher l'un des sujets que vous nous avez demandé. Un sujet, on va dire, un peu plus sérieux, tracas, des tracas du quotidien, etc. Je vous en dis pas plus. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à aller voir donc la vidéo d'Asma Fares. Prenez bien soin de vous d'ici le mois d'avril et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.